Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, la section sud-ouest, des 73 à vous de la part de Dadi 33. Les 73 à toi, Doudou. Ouais, je t'entends, là, via le web SDR. Là, ça fait longtemps que je te... Et on voit que Ludovic a fait des améliorations sur le web SDR. J'entends vachement bien dessus. Hein. Ah, ok, d'accord. Bon, ils sont où les autres stations là? Ils font grève? Ouais, ben de mon côté, je viens juste de démarrer, hein, donc. Ok, ah zut, je viens de voir que j'ai oublié d'enclencher un truc. Zut. Voilà. Ok, voilà, je vais déclencher la bande son là, du côté là, du navet aérien. J'ai les 73 de qui? Ouais, les 73 de l'opérateur Mounir. L'opérateur Mounir. Ok, ça sera dans la boîte. Voilà, je suis en train d'enregistrer là, je viens d'enclencher l'enregistrement là, de la bande son là, du côté du web SDR. Voilà, comme ça, il pourra entendre ton QSP dedans. Hachi, tu lui retourneras tout ça. Ah, il n'y a pas de souci, il est dans mon oreille, là. Je suis au 600, là, avec lui en même temps, là. Donc, il m'envoie les bons chiffres, la salle d'Open là. Ok, c'est super, Cuillero, merci à lui. Il n'y a pas de souci, c'était pour ça. Tu leur descends un petit peu là du grenier, là je te vois là sur le web SDR, Hachi. Ah, j'ai entendu quelqu'un là sur le web SDR, c'est très très QRP de mon côté. Oui, les 73. Putain, la vache, là c'est vraiment 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 QRP là de mon côté, hein. C'est vraiment à peine audible. Hein. La station, que ce soit du côté web SDR ou du côté de la station, là je t'entends pareil, c'est-à-dire c'est vraiment une radio de à peine 1. Oui, c'est vrai, je vois ton message. Non, j'ai aucune nouvelle de papier de Michel. Voilà, la tour de contrôle. Plusieurs fois dans la semaine, j'ai essayé de l'appeler et rien de rien. Voilà, attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest, en avant. Nous sommes 351, 14 historico ce signal, bonsoir à tout le monde. Les 73-51 Eric, voilà, de la part de 14 Delta Romeo 33 Rémi. Ok, vas-y, le 73, on a les bonnes amitiés, voilà, je ne sais pas qui est avec toi, je le salue tout le monde. Eh bien, par rapport à moi, il est de l'autre côté de toi, c'est-à-dire Doudou 33, qui est sur, qu'est-ce qu'il a dit, Saint-Médard, je crois. Ouais, Doudou, 73. Allez, 73, mon ami Eric, comment ça va bien? Eh bien écoute, ça va, il n'y a pas de souci, ça va, tu vois j'arrive, j'allume, tu vois, j'étais un petit peu en retard ce soir, donc
Voilà, voilà, j'allume, et puis j'ai dit tiens, j'ai entendu donc parler, j'ai dit tiens, il y a du monde ce soir. Donc, mais ça va, écoute, t'es où toi, Loulou? T'es pas sur la route, toi? Tu dois être, t'es où? T'es à Cestas ou t'es chez toi? Je suis à Cestas, hein, je suis à quai là, je suis à Cestas, j'attends 23h30 là, qui double la porte là, pour me vider là. Ok, ok, bon, mais écoute, bon courage à toi alors, il n'y a pas de souci. Hein. Mais retour sur Rémi. Ok, Dedou, tu parles de ta vie, alors là, je vais pas savoir. Ça, c'est ta vie privée, hein, ici. Ah, j'ai pas tout entendu, Rémi. Rémi, tu peux me dire ce qu'il a dit, s'il te plaît? Il a parlé de débridage. Ah, ok, de débridage, ok. Bon, Fredo, ils sont par là, il n'y a personne d'autre. Fredo est en balade un petit peu plus haut. Ludovic, j'ai pas de nouvelles. Lui, c'est un vrai courant d'air, il a chie. Ok. Il y a Xav, des fois, par le Wadezer, pas par le Wadezer, par la passerelle de Fredo, là, qui vient de retrouver de temps en temps, là. Donc, peut-être qu'il est derrière. Xav, t'es par là? Non, par là, non. Voilà, écoute, je sais pas quelle station, allez-y les stations. Si j'avais pu, j'aurais pu faire une photo là de ce flanc de montagne qui était complètement. Bon, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a la Radio Broc. Ouais, justement, j'attendais un petit peu, là, qu'il y a un peu plus de monde. Bon, là, je crois que Fredo, là, il est en plein queue sur le 2763, là, si j'ai bien entendu, là, brièvement, là, via le voile de l'air. Alors, ok, tu réalises que là, c'est la première fois que je fais le QSO, là, cette année, hein, et on est quand même le 2 mars. Putain la vache. Alors, en ce moment, je suis gâté côté pro. Mais bon, tiens, pour info, tu sais là où j'allais avant, là, du côté de Bordeaux-Nord, eh ben là, c'est fini, j'irai plus. Il y a d'autres sites comme ça où ça va être pareil aussi, j'irai plus non plus. Donc, ils redispatchent un petit peu les gens là, droite à gauche, là, sur les sites. Et voilà pourquoi, là, je me fais coincer, là, quasiment tous les week-ends. Et là, je pars bosser là tout à l'heure. Hein. Là, j'embauche à 23h là du côté de Bordeaux. Donc 22h, je m'éclipse. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que là, en ce moment, c'est ardu. Hein. Alors Radio Broc, donc le 10 mars. Voilà, prochain. Alors Daniel nous a trouvé pour changer un peu un autre restaurant. Donc là, il y a une surprise. Hein. Il pourra pas être en fréquence ce soir, hein, car là il doit descendre. Là, il est descendu même sur les Pyrénées. Hein. Ouais, ok, mais c'est le restaurant, oui, qui a mis sur Facebook, là. Il ne s'est pas trop mal. Hein. Putain, j'ai un effet, une espèce d'effet d'écho là avec l'oreillette. Hein. Oui, affirmatif, oui, c'est bien celui-là, le dernier qu'il a mis. Hein. Ah, ok. J'avais dit à Daniel, je ne serai pas là à 8h parce que moi c'est l'ouverture de la pique. Dans les tourneaux, moi je serai à l'ouverture de la pique et j'arriverai sur le coup de 11h, après quelque chose comme ça. Ok, tu penses que la propague sera bonne? Non, la propague, non, l'ouverture de la pique. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Achille trois coups. Ok, merci du retour, mon petit Eric. Ouais, donc pour le
10 là, de Radio Brosse, là, donc moi je suis prêt, hein. J'y serai, on verra le matin en fonction de comment j'ai fini le samedi soir, là, comme j'ai fini, je vais être 4-5h, allez, 5h30 du matin, mais j'y serai certainement en début de matinée, en espérant faire du monde qui sera là-bas, pour que je puisse au moins serrer les pinces, là, donc je ne sais pas si c'est qui y sera, mais moi j'y serai. Ouais, ok, mais moi j'y serai mais vers le coup de 11h, mais t'auras du monde là-bas, je pense qu'il y aura Rémi, il va y avoir Daniel, il y aura du monde, tu pourras pas les louper de toute façon. Hein. Bon bah tant mieux, comme ça, ça permettra de mettre une tête sur les contacts, ça prend pas, ça va faire du bien, s'il y a du matos ou des trucs comme ça là-bas, et ben ça fera faire le tour, et puis si je vais repartir avec quelque chose, hein, je vous connais, moi. Ouais, non, mais y a pas de souci. Oui, de toute façon, si tu veux acheter, il vaut mieux que t'ailles de bonheur. Hein. Bon, mais moi, non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, là. Mais c'est histoire de voir du monde et de discuter comme on fait tous les ans, et puis après, de passer un petit moment convivial, voilà. Allez, retour, allez. Ok, d'autant plus que, normalement, il y a, s'il a pas oublié, il y a un OM qui est venu nous voir au stand, la marraine. Celui qui nous a vendu, qui m'a vendu là, plusieurs postes. Alors normalement, il devrait être là aussi et il devrait encore avoir un poste à proposer. Alors je ne sais plus ce qu'il m'a dit, ce que c'est comme poste, hein. Mais vu son explication, il doit être bien sympa, quoi. Ouais, mais ouais, faut que ça. Mais une fois qu'il y aura du monde, quand même. Je pense qu'il y aura Patrick, la partie de Rebelles qui va venir. Ouais, il sera là. Ludo, il va peut-être faire un aperçu, parce que je sais que c'est l'anniversaire de son fils en même temps. Donc il viendra faire un petit tour sur un pont pour passer un petit moment avant de repartir. Fredo, je ne sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, donc j'espère qu'il sera là aussi. Je pense qu'il devrait y avoir un peu de monde. Ah ouais, je pense. Puis en plus, là, sur Radio Brock, là, j'aurai un truc à tester. J'ai deux nouvelles caméras, là, en plus, avec un angle de 170 degrés, qu'il faudra que j'installe, là, sur la canne, avec la caméra principale. Enfin, bon, il va falloir que je m'agouille quelque chose, là. Bon, ben, c'est calme, faut que c'est ok. Bon, Ludo, Fredo, je sais pas où ça, la pizza est pas délivrée. C'est 73 de David, David Richard, là, celui qui est sur Dunkerque, là. Ok, donc 73-51 à lui, David, là, de Dunkerque, une foire pour pas. J'aurais été à lui, trois mois, moi. Pourtant, j'ai rien vu, j'ai même pas vu l'apéro, c'était ça qui manque, là. Ah, si, le 73, je retourne à lui. J'aurai mon PMR, hein, j'amènerai mon PMR, donc avant de l'arrivée, je lancerai l'appel sur le canal 8, et puis je passerai devant la visite. Canal 8, ok. Est-ce que tu sais si sur Radio Brock, quelqu'un peut me régler là, mon antenne de PMR? Parce que bon, elle couvre pas suffisamment haut. Hein. Donc elle a besoin d'être retaillée, parce que là je vois bien qu'il y a un petit souci, un petit problème de tos avec. Alors pour le 446, il faudrait se mettre qu'il le fasse. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire de bêtises. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont une occasion là-bas. Parce que moi, je sais que je dois en avoir un, mais je ne sais pas. J'attends. Et voilà quoi. Donc, parce que bon, dans l'antenne que j'ai, moi, c'est que la comète, elle est déjà pas réglée, là, la bidangue. Donc, et là, je l'ai installé en haut de mon balcon et je pense à remonter la mettre aussi haut que ma. Comment vertical, voilà, donc d'ici quelques semaines, là, tu vois, même une ou deux. Oh, ok. Ben, l'antenne que j'ai là pour le pocket, ben, elle est neuve, hein, mais bon, elle ne couvre pas assez haut. Donc elle a juste besoin d'être retaillée, quoi, voilà, c'est tout. Hein. Ah ouais,
Ben alors là, c'est un analyseur d'antenne qu'il te faut pour voir si c'est la retaillée, si c'est un truc de fabrication. Il vaut mieux que ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui est un analyseur d'antenne. Parce que ça, sinon, ça va te donner que le POS, mais ça va forcément bien accordé. Ouais, ok. Ben, c'est l'antenne que j'avais acheté, la Radio-AM 33. Et comme de toute façon, sur le PMR, moi, j'ai personne de mon côté. C'est resté dans un coin. Mais au niveau du RCMET, je vois bien qu'il y a un souci. Ouais. Et l'antenne d'origine, je l'ai rangée. Je l'aurais pas dû, du coup, je ne la retrouve pas. Hachi. Mais sur le RCMET, je vois bien qu'il y a un petit souci. Avec l'antenne d'origine, j'ai l'aiguille qui monte à fond. Avec la grande portable biband, là, ça, on voit qu'il manque quelque chose. Ouais, attends, on va laisser un petit blanc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est manifesté. Alors, il y a du monde, là, les yeux. Je me suis pas manifesté, mais j'ai entendu ça, pas tout d'accord. Tu as dû entendre, Eric. J'ai entendu notre ami Rémi Dendy, ça fait plaisir de t'entendre depuis le temps. Mais j'espère que ça va là. Doudou aussi derrière, dans son mignon. Et puis toi Eric, hein, voilà. Prédo est à l'écoute. Mais ça sent très étoile, ça fait plaisir de t'entendre en fréquence. Ouais, mais tu vois, là, c'est vendredi soir, je fais un gros effort. Hein. Je sais pas dans quel état je serai demain, on se dit, par précaution, on va prendre un petit peu le micro ce soir, comme ça, au moins, ça sera fait. Salut, mon petit Fredo, comment vas-tu? Mais ma foi, ça va. Hein. La semaine a été un peu dure. Il a fait bien froid, là, en début de semaine. Là. Ça m'a mis KO. Heureusement que ça s'est radouci, là, ces deux derniers jours, là, parce que j'en pouvais plus. Mais je suis bien là, en plus je suis rentré à la débauche là tout à l'heure, vite, j'ai sauté sur le tracteur, c'était ma première tonte de l'année, et bien j'en ai chié, parce que c'était bien haut, avec toutes les feuilles qu'il y avait et tout aussi, voilà, c'est un gros merdier, mais j'ai tondu, et je me suis crevé en fait, voilà, mais je suis content d'avoir tondu, voilà, première tonte de l'année, et puis voilà, donc on va être bien fatigué de la semaine, quoi. Ok, allez à toi Doudou. Merci du retour Eric, donc je crois qu'il vient entendre Ludo, la 73 Ludo là. Moi je suis sur cette place, donc je le copie le petit, mais je le copie hein, le petit Ludo. En espérant que c'est bien Ludo. Retour Ludo. Bah, c'est presque ça, à quelques lettres près. C'est Fredo, Fredo de Saint-Maurillon, Doudou. Ah excuse-moi mon petit Fredo, j'étais pas loin entre Ludo, Fredo, hein. Il y a des hauts là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de merde là, j'ai trois trous là. Ah bah 73 mon petit Fredo, comment tu vas bien? Ça va, comme je disais, un petit peu fatigué de la semaine, c'est normal, on est vendredi soir. J'ai cru comprendre que tu étais sur Cestas, ouais, vu le signal en même temps, ça ne m'étonnerait pas, voilà, donc mais en plein boulot quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait, hein, je suis en attente là, de déchargement là, pas avant 23h30, donc j'ai le temps, hein, mon QSO, je vais le faire jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. J'ai un paquet de QRM de mon côté. Attends, j'ai quoi? J'ai un 3 points de QRM fixe. Heureusement qu'il y a le WebSDR qui est là pour pouvoir suivre le QSO, sinon je suis dans les choux. Hein. T'as pas ce train, il est animé en fait, Fredo. Car normalement, tu as quelqu'un qui attend derrière la porte. Hein. Mais écoute, non, pas encore. Là, tu vois, j'arrive juste derrière le bureau. J'ai pas tout lancé encore. D'habitude, ce que je fais en premier, justement, je lance la passerelle, parce que étant donné que je suis un peu toujours en retard lors des QSO, voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, comme j'arrive toujours un peu en retard dans les QSO, je lance d'abord la passerelle vers 20h à peu près, comme ça au moins, bon, ceux qui veulent causer, ils peuvent causer. Mais tu vois, là, non, aujourd'hui, je suis un peu dans les choux. Voilà. Et toi Eric, comment cette semaine s'est passée? Tranquillou, t'as été à la pêche? Ouais, ça reste pas avec le temps qu'on a eu. Les rafales de vent et tout, non. La pêche, non, j'y suis pas allé. Si, comme je disais à Rémi et puis à Doudou, j'irai le 10, là, le jour de Radio Broc, j'irai le matin de bonne heure et j'arriverai que sur le coup de 11h, bon, voilà.
Non, mais je vais faire l'ouverture générale, ouais, ouais. Non, non, avec la météo qu'on a eue, là, tu sais, ça a soufflé. Puis, j'ai un peu la neige. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a eu un peu de neige quand même, même sur l'île. Ouais, 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 c'était bon ça. Moi j'ai bien apprécié là, cette journée neige là sur Saint-Morillon. C'était tout blanc, hein, c'était tout blanc, c'était bien sympathique. Ça a permis de faire quelques glissades avec la voiture là. j'ai bien aimé, ouais. Ça change un peu de voir tout blanc là. Franchement, ouais. Et puis après, sans coup de tête comme ça, j'ai allumé le décanométrique là pour voir si par à tout hasard il y aurait un effet de propagation éventuellement. Ben non, j'ai rien constaté de comment dirais-je, d'anormal ou de normal, je sais pas comment on dit. Mais la neige, ben ça fait pas grand chose, hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais remarque, je vais te dire, le poste, moi, j'ai dû l'allumer de la semaine, j'ai dû l'allumer deux fois. Deux fois dans la semaine, tu vois, ça va être la troisième fois ce soir, tu vois. Là, j'écoute, comme je sais qu'il n'y avait pas grand-chose et puis j'ai jamais d'autres occupations, j'écoutais beaucoup l'AFM, j'écoutais les taxis, j'écoutais un petit peu tout ça, là, les bandes radio amateurs, j'écoute les roulés, tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, retour, Rémi. Ok, voilà, j'étais en train de regarder du côté PMR, justement, non, j'ai rien de rien. Hein. Qu'est-ce que j'ai là sous le coude? Le 27 juin, t'as envie de prendre quelques cours d'anglais, Eric? Le combien? Le 27 juin. Pourquoi? Alors parce que c'est le The Big Net 4e anniversaire de Lucas, CB, AM et SSB. Ça fait déjà 4 ans qu'en Angleterre, ils ont droit à l'AM et la BLU sur les mêmes fréquences que nous en plus. Ah ouais, mais depuis l'Angleterre, avec la propagation qu'on a en ce moment, ça fait vite, hein. Ah ouais, et la fréquence qui sera utilisée, eh ben, c'est leur fréquence habituelle du mercredi, c'est-à-dire le 27-255. Alors attends, que je regarde ça. Juin, j'ai perdu juin. Le voilà, donc on a dit le 27 juin. C'est à ben, mercredi. Ben oui, forcément, puisque tous les mercredis, ils font leur QSO sur cette fréquence-là, là, le 27-255. Donc là, c'est aussi un mercredi. Il doit passer via le PMR. J'ai pas compris qui c'était. J'ai jamais reconnu la voix, mais il y a la passerelle, mais il y a des coupures. Si, c'est. Ah bah c'est. J'ai bouffé. Il passe via le PMR, un répéteur, je crois, Zello, pour arriver chez Fredo. Enfin bon, bref, quelque chose comme ça, je sais pas dans quel ordre, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Mathieu. Et 73, Mathieu.
La passerelle, moi je vois que tu as toujours tes petits soucis d'écho, ouais. C'est vrai que c'est pas évident en soir qu'il s'y fasse, hein. Et parce que sinon en fait ça fait un peu déconner le schmilblick là. Il faut essayer de parler le plus naturellement possible, sinon ça fait beaucoup de coupures. Et en fait de l'autre côté après du coup ben, on ne te comprend pas parce que ça hache tes paroles. Donc ce qui fait voilà, ça devient vite vite incompréhensible et ça crée un peu le souk. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à parler normalement. L'écho, il faut essayer d'y faire abstraction. Ou alors je ne sais pas si tu as la possibilité de mettre un casque. Ce serait la meilleure des solutions. Le casque pour écouter le retour son du web SDR, je suppose que c'est comme ça que tu fonctionnes de ton côté. Voilà, donc je te retourne le micro et puis tu fais tourner. Fredo, il n'y a pas de problème. Hein. Ça tombe tout seul de son côté. Moi, je m'occupe du micro et puis c'est tout. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est après au montage vidéo avec mon logiciel Vidéopad que je repositionne tout, que j'enlève ce qui est enlevé, que je brouille ce qui peut être à brouiller dans le QSO. Et puis voilà quoi. Donc ouais, effectivement, je laisse tourner quoi, en permanence et puis voilà quoi. Ces deux nouvelles caméras, c'est YL qui m'a acheté ça. C'est des petites caméras pour que tu peux te servir en plongée sous-marine, en VTT, ce que tu veux quoi. Donc il y a tous les accessoires avec, tu t'accroches ça où tu veux, et puis voilà quoi, retour Fredo. Je suis pas une caméraman,
chevronné, voilà, c'est pour ça. J'en ai eu une bonne, en plus, ça, il m'a dit, je sais pas quoi, là. La façon que je m'en servir, elle est totalement déchargée. Ce qui fait que, voilà, je peux pas faire du temps que je veux. Si je prends le temps à ça, bon, je m'en sers pas. Elle est dans mon bureau, là, et puis bon, c'est dommage parce que c'est des bonnes machines, ça, c'est tout ça. Et tout à l'heure, j'ai rigolé, quoi. Je l'ai testé pour la première fois là, directement sur mon compte Facebook là, pour voir si je pouvais faire un petit direct avec cette caméra. Alors ça faisait quoi, peut-être 10 secondes que j'étais connecté, peut-être il y avait bien 15 OM derrière en train de regarder là, de suite là, ce qu'il y avait, quoi. Et ils ont vu quoi, que la télé, c'est tout, rien de plus, quoi. C'est pour ça que nous allons faire le plan serré, Fabienne. Allez, retour, Nounou. Ouais, moi, la semaine est bientôt finie, là, tranquillement. On va aller faire un petit tour, là, à la fête foraine, là, qui est sur Bordeaux, là, avec des collègues, là, de la route, là, les gars de Bordeaux, là. Comme ça, les enfants, ils vont pouvoir aller faire un petit peu de manège, là, dans l'après-midi, là, et puis... Et puis là, le soir, on a réservé une petite table là, pour aller manger une pizza, là, pas loin de, au champ lac, là, je sais pas quoi, là. Donc, on verra bien, mais je pense que ça va bien se passer, là. Donc, je suis bien pressé de finir ma journée, là, parce que bon, c'est bien gentil, le boulot, mais hein, j'ai une petite famille derrière, moi, qui m'attend, là. Retour, allez, retour au petit prédo, là. Ouais, curé, ils sont moi, je vais faire un café. Ok, c'est noté Eric. Ouais, mais écoute, c'est normal, hein, la vie de famille aussi, hein, ça compte. Forcément, ouais. Habillé à la fête foraine, là, sur Bordeaux, ouais, mais tu vois, je savais pas, il ne voulait pas que je dise aux enfants, sinon ils me faisaient pour y aller. Ouais, moi, c'est pas trop mon truc. J'y allais, oui, quand j'étais plus jeune, ouais. Mais bon, là, maintenant, c'est plus mon truc. Le truc en sensation, là, c'est bon. J'ai eu ma dose. J'étais en train de me poser une question, là. Ça m'a fait tic, là, quand t'as parlé de tes collègues camionneurs, là. Comment ça se fait qu'il n'y a que toi qu'on entend en tant que camionneur sur Bordeaux? Parce que je suis sûr que tu dois connaître du monde. Et tu dois connaître du monde, qu'ils ont des camions et tout. Mais ces gars-là, ils n'ont pas de CV ou quoi, dans leur camion? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit, Fredo, tu m'as dit quoi? Oui, je me posais la question, avec tous les camionneurs que tu connais là sur le secteur, là, sur la région bordelaise, on va dire, comment ça se fait qu'il n'y a que toi qu'on entend la CB? J'arrive pas à sortir, je te sors, mais j'ai pas compris tout ce que tu m'as dit là, Fredo. J'ai monté le QRM là, mais bon, c'est pas grand chose là. Mais au niveau de mes collègues NIPAT, c'est ça que tu me parles. Ah, j'ai des collègues hein, qui sont sur Bordeaux, hein, ils sont pas tous équipés là. Mais il y en a quelques-uns hein, qui sont équipés, mais ils sont plus sur la National 10, hein, la National 10. Hein. Ah ben tiens, tu vois, c'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe là, une barrière entre nous là, j'ai du mal à t'entendre moi aussi, t'as pas bougé le camion? Bon, ok, mais de toute façon, quand Eric reviendra là, qu'il aura fini sa petite pause café, il te fera le QSP. Et il te reposera la question parce que moi j'ai pas compris ta réponse non plus trop. Ok. Mais je retourne le micro là en attendant sur Mathieu, voilà, je cherchais ton prénom, excuse-moi. Hein. Sur Mathieu, ouais. C'est pas un problème, on y va.
plaisir de vous entendre. Si on me dit sur TECAM, moi j'étais l'un des premiers, parce que tu m'as envoyé un petit message à regarder TECAM, d'accord, un peu pas le concept, hein. Je ne suis pas du tout voyeur, loin de là. Je sais pas, tu as dit que tu as acheté des cams. Alors moi je suis à fond. Donc les fréquences, la camelot et tout ça je connais. J'espère que après des WANCAM, c'est des bonnes cams, tu les as à 30 euros, c'est peut-être un autre truc et ça m'intéresse aussi. Je vais faire un petit retour sur Dundee avant qu'il repart. Ok, merci pour le retour. Ouais, c'est des petites caméras genre GoPro et compagnie, hein, qui sont totalement autonomes. Via l'USB ou même le Wi-Fi, parce que celles-ci ont également le Wi-Fi. Tu peux filmer comme ça, quoi. Voilà, que ce soit en mobile, que ce soit n'importe où, sous l'eau, parce que là, elles sont dans un boîtier étanche, donc tout ça, quoi. Ouais, je suis en train de regarder l'heure, bon, ça va encore un peu. Fredo, pour répondre à la question que tu as posée là, Dudo, le truc qui se passe, c'est que les pattes restent principalement sur leur canal habituel. Hein. Alors ça va être les poulets charentais, c'est le canal 16, t'as le canal 16, canal 17, hein. Bon, là j'arrive, ceux de la Dordogne, ils sont sur le corps, hein. Et puis ainsi de suite. Hein. Ils sont tous chacun de leur côté sur leur canal habituel. Et ils ne sont jamais revenus sur la fréquence d'appel. Voilà. Pendant que j'ai le micro, je profite pour parler un petit peu du salon de Marraine, le 28 juillet prochain. Donc hier, j'étais en réunion avec le FCDA 33, avec la Florac, hein, et on a parlé un petit peu de l'organisation du stand. Alors comme chaque année à Marraine, on fait aussi, on continue là, à faire l'activation là, avec la station de mise à disposition là, dans le bout du stand. Aussitôt à côté, il y aura le SCBA 33 pour parler justement de la CB côté utilitaire de leur association, tout ça, donc eux ils expliqueront tout le détail, et en compagnie de l'RCI. Voilà. Donc là, cette année, la CB sera à la fois loisir et utilitaire. Donc là, pour élargir un petit peu l'éventail. Ok, bon, ben, y a de la nouveauté alors du coup pour cette année là sur Marraine. Ouais, ben, écoute, moi Marraine, j'espère que je serai là cette année aussi, parce que je garde un bon souvenir là de l'an dernier, qui était ma première d'ailleurs. Donc j'espère qu'on va se refaire la virée là qu'on avait fait, mais c'était avec Ludo et Eric, hein, je crois, ouais c'est ça. J'espère qu'on va se refaire la même, parce que c'était bien sympathique, on avait passé une bonne journée, un peu courte, mais bon. C'est toujours sympathique. Bon, on a le temps de le voir venir, mars, avril, mai, juin, juillet, ouais, c'est bon. Largement le temps de s'organiser. Mais écoute, c'est la nouveauté, tant mieux. Et puis en même temps, l'activation, ouais, toujours ça, je m'en rappelle, ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, ouais, il faudra qu'on voie un truc. Je t'en parlerai peut-être en privé, Rémi. On va essayer de faire quelque chose là pour l'activation justement, mais je t'en parlerai en privé, voilà, là, parce que sinon ça va être un peu long là pour ce soir déjà d'une part, et bon voilà, il y a des petits détails avant de les mettre au goût du jour, j'aimerais voir certaines choses avec toi. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas faire d'ailleurs un truc dans ce genre là sur les petits salons genre Radio Broc, tu vois. Alors, pour ce que tu veux me dire, ouais, tu auras quand même m'envoyer un message perso, quoi. Voilà. Alors, Radio Broc, il y a... non, je préfère t'en parler en privé aussi. C'est... on nous l'a déjà proposé, hein. Mais bon, je préfère t'en parler en privé. C'est plutôt moi qui ai un petit peu refusé, on va dire. Ah
bien, ok. Donc, mais j'attends dans un premier temps, alors que tu m'as envoyé en privé ton message pour Radio Brock, vu que c'est le plus près, on va dire niveau date. Puis après, on verra pour Marraine. Comme ça, en même temps, j'aurai peut-être des informations qui m'aideront pour Marraine. Ça peut être lié, voilà. Ok. Ouais, mais Radio Brock, ouais, je vous entendais vite fait en parler là tout à l'heure. Mais j'espère que je serai là aussi, hein, j'y compte bien. J'ai entendu que c'était un dimanche, c'est ça, tu peux me confirmer, Rémi? Non, Radio Brock, c'est le samedi, et Marraine, c'est le samedi. En général, à chaque fois, de toute façon, c'est les samedis, hein. Ah ouais, ok, bon, j'ai du mal à comprendre alors, ok, c'est le samedi, bon, oh oui, le samedi matin, normalement c'est jouable, après, ouais, le resto et tout, bon, de toute façon, je vais faire en sorte d'être là, il n'y a pas à chier, ne serait-ce que pour qu'on aille se faire une bonne bouffe là au resto, ouais, ouais, bon, après l'heure, je sais pas, on verra, d'ici là, on aura le temps de s'organiser, parce que c'est le week-end prochain, ouais, c'est ça, c'est le week-end prochain. Ouais, ben, si tu veux, cette nuit, tu auras qu'à m'envoyer un message perso, puisque là, je, ouais, vu l'heure, là, je vais pas trop tarder, je vais passer en QRT, là, j'en profite, là, pour envoyer les 113 à tout le monde. Les 113, c'est à côté à vous tous, j'attends ton message, Fredo, hein, y a pas de problème. Et bonne continuité de QSO. Ok, Eric de retour, mais 73, bon courage pour la suite. Et puis, ben ouais, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça verra tout samedi prochain. Ah oui, non, je croyais que quelqu'un avait repris, c'est moi que j'entends. Samedi prochain, bah oui, normalement, je pense, oui. Allez, je passe à QRT, les 73 à tous, et bon QSO. Ben oui, c'est Radio Rock, c'est samedi prochain. Et bon courage pour le pro, là, mais ravi d'avoir une de tes nouvelles, là, ce soir, en fréquence. J'ai bien dit, en fréquence. Ouais, ça faisait un bail. On commence à désespérer, là. Non, je suis bien content de t'entendre, là, et puis, donc, à bientôt sur le web, on va dire, et puis, sinon, en réel, on va dire, à samedi prochain, voilà. Et bon courage pour le pro. Ok, oui, ça marche. À samedi, si on s'entend pas dans la semaine. Ah ouais, bah tranquille, hein, je suis en train de faire une petite vidéo là, en essayant d'entendre un peu tout le monde. Hein. Bah toi Eric, y'a pas de soucis, hein, c'est 9 plus 6, 9 plus 20, y'a pas de problème. Hein. Dundee et Fredo, bon bah c'est petit signal, hein, mais ça passe, tout petit mais ça passe. Hein. Justement, tiens Fredo, redis ce que tu voulais dire tout à l'heure là, comme ça y a Eric qui pourra te faire le QRT là. Ah, bien vu, Doudou, bien vu. Ouais, en fait, Eric, comme il a du mal à m'entendre, là, le Doudou, sur sa stas, là, je lui posais une question tout à l'heure, il n'a pas su me répondre parce qu'il n'a pas compris ma question, forcément. Et en fait, je lui ai demandé, là, avec tous les routiers qu'il connaissait, là, sur la région bordelaise, et puis, comme il en parlait, là, dans la discussion, et ça m'a fait tilt, et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on n'entend que lui en fréquence, voilà. Donc, si tu peux lui transmettre, comme ça, il répondra, quoi. Ok, ouais, Doudou, il te fait dire, Fredo, il te demande juste, avec tous les routiers que tu fréquentes et que, tous les routiers qu'il y a sur la région bordelaise, il y a que toi qu'on entend, il me dit. Ah ouais, bah alors là, j'y peux rien, hein. Si les gars, ils appuient pas sur sur le mic, bah moi, je peux rien faire pour eux. Hein. Moi, j'en croise plein, hein, des routiers, hein. Je leur fais des appels, j'essaye toutes les bandes, hein. Il y en a presque aucun qui répond. Hein. Ce matin, j'ai réussi à faire 2 contacts sur le canal 10, là, en AM. Je suis tombé sur 2 BNE, là, qui étaient quoi, une dizaine de bandes de moi, là. Mais c'était bien les seuls que j'ai entendus sur la région bordelaise. Hein. Après les autres, il n'y a rien du tout, hein, que l'île. T'as reçu, Fredo? Ouais, j'ai reçu, ouais, je l'entends pas trop mal. Ouais, mais c'est dingue, hein. C'est dingue, parce que moi aussi, bon, j'en croise, avec le peu de kilomètres, j'en croise là, avec les antennes. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on entend du monde sur la fréquence, quoi. Et, bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ci, c'est comme ça, ouais. Je laisse un petit blanc, là, si je fais un...
pardon, je fais un petit retour plutôt sur, sur Mathieu, ouais c'est ça, Mathieu, voilà, excusez-moi, hein, j'écorche ton prénom à chaque fois, j'ai pas la mémoire des noms, donc Mathieu, retour à toi, parce que j'ai vu que tu tripatouillais quelque chose là, donc voilà, je te retourne le micro. Curieusement, on entend mieux ici dans le push qu'au curage. Parce que là, je dois être à quoi? À 2 km là, du curage, un peu plus. De la semaine. Donc je vais aller me reposer. Demain j'ai une grande journée.
s'il fait beau là sur la région bordelaise demain, donc j'ai plein de choses à faire en extérieur, voilà. Donc je m'occupe de mon jardin, de tout un bordel à faire. Donc j'ai pas le temps de faire la semaine ou les week-ends qu'il faut pourra, je ne peux pas les faire non plus. Donc demain c'est beau, je vais en profiter. Donc merci pour ce sympathique QSO, il est pas présent. Bon ben je pensais les reprendre en fréquence une fois rendu au boulot, enfin tout du moins à côté du pro. Au plaisir, puis on verra. Et ben c'est raté. Ce lycée là de. Il y a la passerelle là, pour ton père, merci pour ça là. Tu pourras bosser sur moi, bon ça va rater ça. Hein. Voilà Mathieu, je te dis à plus et puis merci et puis bonne fin de soirée, bon week-end et tout ce qui s'ensuit, voilà, je t'ai coincé. Allez je coupe Mathieu, je vais me reposer, voilà, j'en ai besoin. Je redive, retour à toi, puis après je repends pas, je m'en vais au dos. Au grand plaisir, Fredo, c'était en impact, demain, il faut que j'aille dans un QSD, de peuplier, putain, par le technique, et plein de choses intéressantes de la nature, produit. Et dérange ses voisins. Donc, ben, je vais essayer ça. Au grand plaisir. Et puis, j'ai une petite surprise pour n'importe quoi. Ben, pas juste présenter des amis. Je dis ça tout simplement pour le cuisine national. Pour les sessions de revue. Et puis, sur les patrons. Voilà. Et, j'aimerais bien faire un test pour un test frêle avec toi. Enfin, on voit ça. 73-51, vous faites bien pour ça ensemble. Mon Fredo, très bien. Et 73 à tous, de la part de Dandy 33 mobile. Ah, j'ai entendu Rémi, je crois, là, juste à la fin que t'as relâché, là, Mathieu. Je crois que c'est Rémi qui est en mobile, qui doit être en direction du pro. Retour à toi, Rémi. Oui, affirmatif, là je suis dans la ligne droite là, de la Nationale 89 entre Libourne et Bordeaux. Voilà, je me suis dit, je vais faire une petite surprise en arrivant au pro. Je vais rebrequer pour rentrer dans le QSO, mais tout mon QR est à J3 coups. Voilà, 600 mètres de la sortie Caillot. Voilà là où je suis. Ah, mais t'entends, mais écoutez, j'ai l'impression de t'entendre presque bien mieux en mobile que chez toi là-bas en cuir. Il marchait bien le truc de la gâteau d'un peu fort là. Ouais, j'ai cru que l'hiver, ouais, je m'en vais au final, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est parce que quand c'est rien, surtout les petites semaines, le froid et tout, je suis un peu, tu vois, tout le temps, je suis un gros temps derrière le micro. On a fait un petit peu durer là avec en parlant de musique avec Mathieu là, parce que c'est son dada, moi aussi ça commence à devenir de mieux un petit peu là. Donc on s'est fait un petit peu plaisir, on va dire, voilà. Voilà, on a marqué le coup, hein. Encore une fois. Donc ouais, je fais un petit passage du RT là. Mathieu aussi, apparemment aussi, il a du boulot demain. Comme il a dit, Mathieu, je sais plus comment il a dit là, c'était bien formulé. Voilà. Donc, désolé Rémi, je ne peux te souhaiter qu'un bon courage là pour cette vie de boulot. C'est quand même plaisir de t'avoir en fréquence, en version mobile. Voilà, retour à toi d'ici, puis après, Mathieu, tu reprendras là pour le final, et après je coupe tout, voilà. Ok, merci pour le retour. En plus, là, c'est pour une longue nuit, car j'y suis jusqu'à demain matin 8h. Et, par contre, demain soir, je ne pourrai pas être dans le QSO, je fais 20h, 8h. Donc là, c'est complètement râpé pour être demain soir là. Ok, les bonnes soirées 13-51 à tous, bonne nuit. Voilà, j'arrive dans la descente de la poste.
fait longtemps que je n'avais pas eu en fréquence là en version mobile. Voilà, retourne Mathieu, après je coupe. Hein. Je ne reprends pas. Ciao, bye bye. Ok, en plus là, pour le coup, là, je poursuis la vidéo là dans le mobile. Donc, tu auras la version QRA, la version QRA, il va falloir que je jongle entre le son du WebSDR, le son du QRA, car c'est vrai que là, c'était vraiment pas top là, de mon côté. Alors que là dans le mobile, là, c'est impeccable, ça marche bien. Là. Ok, donc là, je vais travailler là-dessus là, cette nuit. Donc les bonnes sont 13,51 à toi, content aussi de t'avoir pour une fois là en fréquence. Et à la prochaine en QSO, car comme je disais tout à l'heure, demain soir je ne pourrai pas y être. J'attaque le pont à 20h. Ah là apparemment ça a coupé. Bonne nuit à tous. Roméo Lima 0903. Ben Domi, je vais t'accompagner jusqu'au pro, hein, si tu veux bien, parce que c'est ça qui est bien aussi dans la radio, c'est que quand on va pas dire des copains, mais des gens qu'on aime bien, on aime bien les accompagner, c'est parti, des copains. Donc je suis toujours à ton écoute. Tu me l'envoies sur l'esprit francophone du coup. Ça m'intéresse, ça peut être super intéressant. L'idée c'est qu'on échange sur tout, et puis surtout que les fréquences sur les modes de radio, et c'est super intéressant. Retour à toi lundi, 14h09, à l'écoute. Ok, merci pour le retour. Alors attends, parce que là je suis arrêté à un stop. Là je suis plus trop loin du bro. De toute façon, là je vais m'arrêter. Là je suis ouais, je suis en avance. Alors attends, je laisse les voitures passer. Ok, c'est bon. Voilà, ok, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, bon, je dois être à quoi, peut-être un petit kilomètre là, du bro là. Bah, c'est cool. C'est bon, ben, je suis en ce soir, donc au national. Des gens intéressants. On remerciera jamais Lino de le service de l'ESR. Ah, je pense que tu as dû relâcher le micro. Ah, voilà, pour te donner le QTH exact, là je suis à Artigues, près de Bordeaux. Voilà là où je suis ce soir. Sur le 11 mètres ou des TMR
et tout ça pour faire évoluer la radio. Donc, et des sciences de Rennes, ce serait super sympa. Ouais, là je suis en plein dans un lotissement, un truc comme ça, là, un truc résidentiel. Et c'est vrai que là c'est un petit peu short, c'est pas évident là de mon côté là, à tout sortir. Bon, de toute façon là je suis en avance, là je vais m'arrêter là. Oh ben de toute façon, là, pour le moment, là, j'irai pas plus loin. Là, je suis stationné, là, pas très loin du pro. Ouais, je suis un petit peu en avance. Bon, on peut arrêter là, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, de mon côté, c'est dans la boîte, même encore actuel. Là je suis encore avec la caméra là en main, hachi. Comme ça, là, tu pourras voir un petit peu ce que ça donne. Là, tu auras les deux versions. La version QRA, c'est-à-dire à 50 km de là. Là je suis à Artigues près de Bordeaux, donc pas très loin. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que je vois là-bas? Non, c'est pas le relais de télévision, non. Non, ça c'est un truc de téléphone là, que j'aperçois là devant moi. Je dois être peut-être à 2-3 km de chez Ludovic. À la louche. Hein. Donc là tu vois là je suis vraiment pas très loin de Bordeaux quoi. Ah oui, retour du micro. Ok. Ok. C'est-à-dire 14-09 qui est la fréquence. Et franchement, au plaisir de croiser des OM du 33. Et super travail à Pedro. Super travail à Ludo de permettre de vous entendre. Merci, il n'y a pas de problème. Là ouais, je m'attelais à ça là tout à l'heure là quand j'ai rembauché. Faut pas que j'oublie mon pro en même temps. Voilà, non mais il n'y a pas de problème, hein. Elle sera partagée là partout. En plus de ça, là, je sens bien que je vais en tout et pour tout, je vais bien avoir une bonne heure de vidéo. Oh oui, là c'est. Ouais, je pense, oui, ça va donner ça à peu près. Donc là, tu pourras voir ce que ça donne. Ok, je vais te laisser, les 1351 à toi, merci pour ce QSO, et à la prochaine sur les ondes. Ok, les 73 à toi, et c'est du 55 de mon côté. Bye bye, merci. Là, on est en plein sur la fréquence d'appel des Québécois, là.
Évidemment, quand la propague n'est pas là, ça le fait beaucoup moins. Ici aussi, il y a un QSO des Québécois qui se fait, ou qui doit plutôt se faire, parce que vu le décalage horaire, ils n'ont pas dû commencer encore. Alors, on les retrouve sur Facebook.